ça se passe vraiment, vraiment bien. La transition et mon adaptation à l'environnement, à l'équipe, au staff, c'est vraiment passé facilement. Bah, je crois que c'est le coach a, comme évidemment, comme tu disais, le coach a demandé un peu qui j'étais, j'imagine, hein, à Gédéon et qui a sûrement donné un bon retour. Mais de connaître Gédéon avec qui j'avais joué déjà, ça a facilité mon adaptation à l'équipe. Et aussi, mais je dois aussi donner au coach et au coaching staff qui m'ont vraiment intégré même avant mon arrivée ici. Là, comme on a beaucoup échangé. J'étais déjà familier avec les plays, avec même la ville. Gédéon qui m'avait beaucoup dit sur comment est la ville, qu'est-ce que je dois attendre, comment sont les structures au niveau de l'arène, de l'appartement et tout. Et aussi avec le coach. Donc, ça a vraiment facilité mon intégration à l'équipe. Ah, comme joueur de basket, comment je me définirais? Je dirais plutôt, comme on dit, un Swiss, en anglais tu dirais Swiss Army Knife, avec des qualités spécifiques. C'est-à-dire que je peux faire beaucoup de choses sur le terrain, je peux jouer plusieurs positions sur le terrain, que ce soit offensivement, défensivement. Mais effectivement, comme tu l'as dit, j'apporte ce côté athlétique, mais athlétique au haut niveau. Ce que je fais, que ce soit des deux côtés du terrain. Et donc, je pense que c'est quelque chose que je vais amener à cette équipe, en plus des autres choses que je fais. Mais pour moi, c'est, comme je dirais, c'est une continuité de ce que j'avais déjà commencé à faire en Europe. C'est ma deuxième année dans les championnats européens, après avoir évolué aux États-Unis. Donc, le jeu est différent. J'ai eu une année d'adaptation où je m'adaptais au système, je m'adaptais à la différentes façons de jouer. Et c'est donc une continuité de ça dans un nouveau championnat. Et je pense que le coaching staff va vraiment m'aider avec ça. Vraiment, je suis agréablement surpris parce que je n'attendais pas autant de monde, je n'attendais pas autant de. Vraiment, ce sont de très belles villes. Ça me rappelle un peu la Californie, qui est comme ma deuxième maison. Et c'est vraiment assez pareil, mais en plus petit. Et vraiment, il y a peut-être plus beau, mais c'est très joli. C'est très joli et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je suis agréablement surpris.